Les chevaux, c'est des magnifiques athlètes et je trouve que le concours complet illustre très bien leur capacité athlétique. Dans le cadre d'un concours international de haut niveau comme à Bromont, il y a toujours la présence d'un médecin vétérinaire sur les lieux pour assurer les soins vétérinaires en cas de problème. Quand on est capable d'amener un cheval qui est blessé ou qui ne performe plus comme il devrait, puis de le ramener à sa performance initiale, il n'y a rien de plus beau que ça. C'est le but ultime. Souvent, on ne réalise pas tout ce qu'on peut faire comme vétérinaire dans une écurie. On est vraiment très bien équipé. On peut faire des radiographies, on peut faire des échographies. On va évaluer le système respiratoire, le système cardiovasculaire. La radiographie, ça permet de détecter, entre autres, les fractures, les conditions arthritiques. On touche à tout. Autant les boiteries que les soins dentaires, une coupure. Il faut prendre le temps d'écouter, de regarder, de palper. C'est les choses les plus importantes quand on soigne un cheval. Notre travail, c'est de trouver les indices puis de résoudre le problème avec ces indices. Vétérinaire équin, on se promène avec notre véhicule et tous nos outils, toutes nos choses sont avec nous. C'est vraiment une unité médicale ambulante. L'acupuncture, c'est une médecine traditionnelle chinoise vieille de plus de 5000 ans, utilisée pour ses effets analgésiques et anti-inflammatoires. Je monte à cheval depuis un très jeune âge. Naturellement, je voulais travailler avec les chevaux. Puis le métier de vétérinaire, les soigner, c'était ce qu'il y avait de plus beau.